Salut Hermite, salut Nero. Bon bah, malheureusement pour le choix de qualité, quand ça veut pas, ça veut pas. On l'a relancé franchement une trentaine de fois et que dalle d'avoir se tenter de la qualité maximum. Es-tu prêt? Plus propre que celui qu'on avait. Là. Je te dis de changer de cap. George a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. C'est le nôtre qui a été repeint. Faites-lui un peu confiance. Il ne m'a jamais déçu. Okay. Je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait vous décevoir. Attendez! Survivons! Nous sommes plus près que tu ne le crois à faire. Ouais, capitaine! Allez, je veux tout sur la voile. Ramenez Amima. Amima. Toute la voile, allez chercher le vent. Tout juste. Navire en vue. Dégâts environnementaux. Est-ce le welcome? Oui, et il est à l'ancre. Rapproche-nous de lui, fils. On dirait qu'ils ont abandonné le navire. Church a toujours été une véritable anguille. Ennemi droit devant! Ils cherchent à s'enfuir! Suivons-les! Il faut aller plus vite! Toute la toile! Amima! Allez, toute la voilure! Capitaine, en naviguant de la sorte. Retour.
l'occasion. Salut le potelé. Il s'engage entre les falaises, petit. L'Aquila est trop large pour le suivre. Tu dois contourner l'obstacle. Malédiction! Nous allons le perdre! Nous n'avons pas le choix! Nous ne passerons pas ces rochers! Le courant est rapide par ici! Il nous reste une chance! Tard. Allez, tirez. J'en ai prôné un là. Arrête-le, Galin. Changer de... Je veux des poulets scellés. Amenez toute la voilure. Laissez en train de faire. Pas de bouge, changez de cap. Ça n'a rien à voir vu que c'est lié au compte et pas au pseudo du compte. Aller dedans. Anima! Anima! C'est à croire que tu cherches à le laisser s'échapper! Il tourne en haut, viens ta gueule! Allez, relève-toi pour tirer. J'avais envie de changer, hein, ça faisait 20 ans que j'avais celui-là et ça me plaisait plus autant que ça. Et bon, on me pétait les couilles à chaque fois avec le pseudo que c'était, donc voilà, j'ai pris un pseudo un peu plus classique. Le rouge, ça représente la zone d'attaque des ennemis. Je ne sais pas s'ils veulent qu'on le... Usez le mât, ouais, c'est ça. Il faut qu'on soit plus proche pour toucher, pour le toucher avec ce genre de boulet. Il me donne.
qu'elle soit plus... Tirez une portée ! Plus mieux que 2020. Ramenez à Nima ! Ah bah enfin. Allez, préparez-vous à abord. Qu'est-ce que tu fais? Je règle ça. C'est pour porter. Church a fait de toute la cargaison. Ça me vend à l'intérieur. Le véritable aventure, tu peux me croire, de déjouer tous tes pièges et tous tes petits stratagèmes. Tu es malin. Cela n'a pas suffi, mais tu mérites qu'on le reconnaisse. Quant à l'aplomb avec lequel tu as mené ton affaire, nous avions un rêve, Benjamin. Un rêve que tu t'es employé à détruire. Et pour cela, mon ami déchu, tu vas payer. Assez. Nous ne sommes pas là pour ça. Parle pour toi, mon fils. Où est le ravitaillement que tu as volé? Va au diable. Ok. Une dernière fois. Où est la cargaison? Ok. Elle attend sur l'île. Là-bas. Mais tu n'as aucun droit sur elle. Elle ne t'appartient pas. Non. C'est vrai. Elle est destinée à ravitailler des hommes et des femmes portés par une cause qui les transcende. Des gens prêts à mourir dans l'espoir de se libérer des tyrans comme toi. Les mousquets de ces hommes et de ces femmes sont bien forgés avec du bon acier anglais. Ils pansent leurs blessures avec des bandages tissés par des doigts anglais. C'est bien commode. Nous faisons le travail, et ils en profitent.
Tu changes la réalité pour justifier tes crimes. Comme si tu étais l'innocent et eux les voleurs. Tout est affaire de point de vue. Aucun cheminement ne demeure juste et bon sans jamais causer de tort. Penses-tu vraiment que la couronne n'a pas d'argument? Qu'elle n'a pas le droit de se sentir trahie? Tu devrais le savoir. Toi qui combats les Templiers. Car tes ennemis croient leur œuvre juste. Réfléchis-y la prochaine fois que tu penseras être seul à servir le bien commun. Ton ennemi sera d'un autre avis. Et ses arguments seront justes. Zawanios Gina, le diahne de Gantu Zidogaske. Tu as bien fait. Sa mort nous sera précieuse à tous. Allez, j'imagine que tu aimerais que je t'aide à récupérer ta cargaison? Bah. J'ai enfin retrouvé mon père, mais j'ignore encore si c'est un bon présage. Nos objectifs sont étrangement similaires au sujet de l'indépendance. Mais il continue à défendre Charles Lee, l'homme qui a tué ma mère et brûlé mon village. Pourtant, il a vu juste au sujet de Washington et de ceux qui le soutiennent. J'entends parler de liberté et d'égalité, mais elle semble réservée aux Blancs possédant des terres. Qu'en est-il des gens comme moi? Ou Suri? Quel rôle jouerons-nous dans ce nouveau monde? Mon père a-t-il raison? Il y a tant de choses à comprendre et si peu de temps. Ah, tu es de retour. La Martinique t'a plu? Achille, je te dois des excuses. Je n'aurais jamais dû te dire des choses pareilles. Tes paroles étaient dures, Connor. Mais elles étaient justes. J'ai abandonné la confrérie, laissé les Templiers prendre le pouvoir. Mais ce pouvoir a aujourd'hui diminué. Et la paix entre nous n'est plus impossible. Imagine seulement ce que nous pourrions accomplir une fois unis. Pourquoi as-tu changé d'avis? Qui t'a mis ces idées en tête? Tu as rencontré ton père. J'en suis sûr. Je ne prétends pas lui faire confiance, ni même l'apprécier. Mais il serait stupide d'ignorer cette opportunité. Etam t'écoutera, mais te comprendra-t-il? Et s'il comprend, sera-t-il d'accord? Il saura admettre que nous accomplirons davantage ensemble que séparés. J'imagine que tu pars le retrouver. Oui. Je vais à New York pour lui exposer cette idée. Très bien. Généraux, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et ouais, à demain, en espérant que ça marche mieux. Pardon.
Salut, Storix. Changement de ce nom. T'as un problème. C'est ça que j'ai fait une annonce sur le Discord, tiens. J'ai essayé. Personne ne sait plus rien dans leur armée. La seule consigne est d'attendre les ordres. Continue à creuser. Reviens voir. Non, c'est qui ce mec qui a exactement la même image de profil que l'autre type que je suis ? La victoire est tellement proche. Tiens. Quelques attaques de plus et s'en sera fini de cette guerre civile et de l'emprise de la couronne. Que comptes-tu faire ? Rien pour le moment, nous n'avons pas assez d'informations. Je croyais que les Templiers avaient des yeux et des oreilles partout. Non, en effet. Jusqu'à ce que tu les arraches. Ton contact a parlé d'ordre. Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire. Traquer les chefs loyalistes. Ouais, non, on me pétait souvent assez les couilles avec mon ancien pseudo, et de toute façon j'avais envie d'en changer, donc... Fallait bien le faire un jour ou l'autre, et c'était cette nuit à 6h du mat que c'est arrivé, donc voilà. Ouais. Et ouais, je vois ça. À cette proposition. Je reste perplexe. T'as des restes du nouvel an. New York sans défense. Il est déjà difficile d'assurer l'ordre avec nos effectifs actuels, mais réduits de moitié. Si nous ne les rejoignons pas, ils risquent la défaite. Où cela mènera-t-il ? Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en rond. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu ? Qu'on aille les voir pour exiger des réponses ? Eh bien... oui. Embuscade ! Connor, prête-moi main forte. Épargne les hauts gradés, Connor. Connor, c'était peut-être une erreur. Viens m'aider, s'il te plaît.
Une fois dans mes quartiers de Fort George, nous découvrirons tout ce qu'ils ont à cacher. Eh bien ? Tu ferais bien de le rattraper, fils. Vas-y. Je surveillerai les prisonniers. Non, toi, vas-y. Pourquoi moi ? Parce que je l'ordonne ! Allez, va ! C'est bien, le temps qu'il s'engueule, le mec, il a fait 5 mètres. Je suis passé inaperçu, il y a 15 gardes tous les 3 mètres. Mais ne m'emmène pas là-dedans. Te poser des questions. Si je franchis cette porte, je suis un homme mort. Te voilà enfin, Connor. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Allez, par ici. Par les Britanniques. Ils vont marcher sur Philadelphie. Cette ville est perdue. La clé, c'est New York. Ils vont doubler les effectifs, repousser les rebelles. Quand doivent-ils partir ? Dans 2 jours. Le 18 juin. Il faut que je prévienne Washington. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. Bien sûr. Les autres ont dit la même chose, ce doit être vrai. Tu l'as tué. Tu les as tous tués, pourquoi ? Ils auraient averti les loyalistes. Tu aurais pu les garder jusqu'à la fin des combats. Pourquoi ? Perdre du temps et de l'argent à les faire garder ? Quel en aurait été l'intérêt ? Ils nous avaient dit tout ce qu'ils savaient. Je te retrouverai à Valley Forge. Évitez d'avoir le front trempé de sueur grâce à l'élégant chapeau de feutre de... Et... Plus on doit aller. Alors. Vers Boston. Qui démarque, il vole en cheval, on s'en bat les couilles.
Ah, on fait une petite trottin. Nous devrions transmettre ces informations à Lee, pas à Washington. Tu sembles croire que je le favorise, mais mon ennemi est une idée, pas une nation. Le vrai tort est de soumettre le peuple. Que ce soit à la couronne ou à la croix des Templiers. J'espère que les loyalistes le comprendront, car ils en sont eux aussi victimes. Et du contenu Survival Horror ? La justice. Mais ce ne sont que des symptômes. La cause profonde et la faiblesse. Spécialement, qu'est-ce que. Pourquoi crois-tu que je vais révéler en fait tes erreurs ? Tu as beaucoup parlé, oui, mais tu ne m'as jamais rien prouvé. J'ai bien l'intention d'y remédier, tu verras. Sur YouTube, la prochaine vidéo qui sortira sera la suite de. Bonjour, Connor. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Bon. Les Anglais ont rappelé leurs troupes de Philadelphie. Ils marchent. Deux vidéos de Stalker. Je suis en train de faire des rendus des proxys pour pouvoir travailler dessus plus correctement si nous battons, sur, enfin sur Sony Vegas. Est-ce que ceci est bon, ça prendra encore un moment pour le montage. Quoi. Aimerais-tu en connaître la teneur, Connor ? Il semblerait que ton bon ami vienne d'ordonner une attaque contre ton village. Mais parler d'attaque est sans doute un euphémisme. Dites-lui, général. Nous avons appris que des Indiens coopéraient avec les Britanniques. J'ai demandé à mes hommes d'y mettre fin. En brûlant leur village et en salant leurs terres, en ordonnant leur extermination, si j'en crois cette lettre. Ce n'est pas votre coup d'essai. Dites-lui ce que vous avez fait il y a 14 ans. C'était une autre époque. La guerre de 7 ans. Tu sais désormais comment se comporte un grand homme dans l'épreuve. Il se cherche des excuses, il rejette la faute, il prononce de beaux discours, mais récuse toute responsabilité. Assez ! Le coupable et les motifs peuvent attendre. Seul mon peuple m'importe. Alors partons. Non ! J'en ai fini avec toi. Fils. Tu crois peut-être que m'appeler fils suffira à me faire changer d'avis ? Depuis combien de temps savais-tu la vérité ? Je suis censé croire que tu viens de l'apprendre ? Même s'il n'a pas le sang de ma mère sur les mains, Charles Lee reste un monstre, et tout ce qu'il fait, c'est sur ton ordre! Je vous avertis tous les deux. Essayez de me suivre, ou de m'arrêter, et je vous tuerai. Ok, eh bien peut-être à la prochaine, hein. Dans des circonstances plus agréables pour les connexions, si le choix de qualité se décide à revenir, ce serait pas de luxe. Du coup, bonne soirée, à la prochaine. Peine bump, le pauvre. Il est 15 milliards de fois pour qu'il fasse sa putain d'attaque avec le pistolet, mais il avait pas envie.
Je dois vérifier que le village ne craint rien. Mais si je les tue tous, j'empêche l'attaque. Comment ça? Oh bien. Génial vos points de sauvegarde Ubisoft. C'est sympa. Je dois vérifier que le village ne craint rien. Radun hagedun za shewe nekti ohnu jera wat kanu dunyu huet dogati ga oya rungwe ayezene sege unka giga oya rungwe de ohne gujesh Charles Lee luana tukwa yasagoya tahawe kana dogu dano dokara ni hadi nahoda ka numwe ni honenu wat de sagodi dashtana tini hadi ayunki hunta Ya, ya te kari hoyeri.
On a dared on the desert, Nico, Hare. Yah, go on top desert, Huntoni, Negiga, Ne Ayago de Rio. On a tea as jaga, ne, they don't don't the ketas. Avec des moyens non létaux. Hagedum, was it done? It gone. Nahoda? Quagum ha glory near Charles Lee. But triot de Hona de Honzonia in Kiawanto. Don't go easy, I say, and what is it? A toga tigarungue. Honrud zit is at Nigora denu. Zia sade nyanda de squat Nigora goni. Nick the owner gone runete. Ziguan who guard him there. They got your scar, Gigo. Connect you what new scars, what Gonya has in a square at the new statsege. Don't use that Nigora de Hunto. Then what does it want ducks out there? Nezungwe da summa! Zadarissa! Unga dorissa no na zaheyum. Ça va, ça aura pas été dur de le convaincre, ce con. Ouais, ton pote d'enfance, il est méchant. Oh, je vais le tuer. Charles Lee, Monmouth, was at the Hajib. A second out to Masse, Zinahod and Patriot, Renadino Uni. Durant Saga, a second nasete. On Doc Tangigamo de Rio. Runodio Hot Quenu. C'est vrai qu'ils ont dû se faire chier à trouver des. Des gens pour faire le doublage dans cette langue-là. T'as fait des annonces sur internet. On n'était pas en pleine nuit. Pff,
Oui, c'est sûrement partagé en dialecte et tout bordel différent selon une tribu ou l'autre. Ouais. Ouais, ils ont dû bien s'amuser, franchement. Sinon, ils ont juste fait du bullshit, hein. Tu vois, ils ont inversé des syllabes de l'anglais, tu vois. Tiens, mon ami, cette sépulture sera à ta hauteur. Connard. Non mais genre tu vois ils mettent des syllabes chelous et tout ça et ils disent de faire un accent un peu comment un peu soufflé. Nous devons tenir cette position aussi longtemps qu'il le faudra. Si l'ennemi parvient à je peux pas tirer dessus. Nous perdrons le. Connor, mon ami, vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Ce chacal. Il débarque au beau milieu de nos préparatifs pour prendre le commandement. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop et il me revient de tout organiser. Mais d'où viennent ces soldats? Transmettez l'ordre de retraite! Tout le monde avec moi! Vite! Vite! Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Je vais tenir le terrain. J'affecte mes meilleurs soldats. Et 200 mecs. Ils feront tout pour vous assurer la victoire. Bonne chance, mon ami. Lui, par contre, il était un peu à côté de la plaque, hein. Alors imagine, t'as un soldat anglais. Bah, ouais. On a gagné du temps, sir. Et donne des ordres, t'es un peu péteux. Bien le bonjour, mon ami. J'ai envoyé nos meilleurs soldats pour te couvrir. Merde, y'en a un seul qui a survécu. Et d'où ils sont pas morts ceux-là par contre? On va repousser cette unique rouge. Ok, je me demande s'il n'y a pas à nouveau le truc chelou de synchro qui fout la merde. Et ceux-là, je comprends pas pourquoi ils sont pas morts. Toute première vague. Ouais. Enfin. Putain, ce que ça. On a gagné du temps, sir. Avant il disait sœur, maintenant il dit frère. Ça devrait les ralentir. Cette unique rouge.
repousser ces tuniques rouges. S'il suffisait d'un seul canon pour détruire la moitié de l'armée anglaise... Quoi, ils auraient deux canons, ils auraient détruit l'entièreté de l'armée quand même. Ils arrivent tous là comme des glands, à se mettre en rang. Nous manquons de munitions, sœur, et l'ennemi avance. Nous devons nous replier, rejoindre les autres et protéger leur queen. Mais ils ont un canon. Mettez-vous en rang dans l'alignement du canon, s'il vous plaît. C'est un choix stratégique que j'ai appris à l'école. Empêcher les exécutions de chefs patriotes. Ah oui, j'ai vraiment bien empêché cette exécution, c'était du grand art. Si je veux... Partez ! Je vais m'en occuper ! Il est déjà mort. Ouais. Bon, il faut vraiment que je t'étude tous. Bon, bah, ouais, sûrement. Oh! T'es tué ton copain! Pas, c'est pas bien. Ok, je me demandais s'il fallait avoir, enfin cliquer avec des timings et tout ça, pour faire les enchaînements, mais il suffit de spammer comme un gros bâtard la touche de tir et enfin, de combat. Sauver de nombreuses vies. Connor ? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi ? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité.
Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Il est beaucoup trop tard pour cela. Nous devons agir dans les règles, ou nous ne vaudrons pas mieux que l'ennemi. Sans parler des conséquences politiques d'un tel acte. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, Général. C'est la dernière que je vous offre. Leur foulard. Ouais. Il est arrivé quelque chose, Desmond. Abstergo tient ton père. Où ça ? L'Italie. Là où ils t'ont détenu. Oh là là. Vous attendez quoi au juste ? En route ! C'est pas tout. Bonjour, Monsieur Miles. J'espère que vous allez bien. Ou aussi bien que possible, compte tenu des circonstances. Il semble que nous ayons chacun une chose que l'autre désire. Je vous propose un échange. Apportez-moi la pomme, et je vous rendrai votre père en parfait état. Si vous refusez, je vous le rendrai quand même, mais dans un état plus précaire. Vous saurez sûrement lui éviter un tel traitement. J'ai toujours su qu'on en arriverait là. Mais pas aussi vite. Je me demande si Abstergo sait ce qui va se passer. Cela a-t-il toujours fait partie de leur plan? Peut-être souhaitait-il voir la Terre réduite en cendres. Il disposerait enfin de ce nouveau monde qu'il rêve de façonner. Mon père voudrait qu'on aille chercher la dernière source d'énergie. Et qu'on l'abandonne. C'est certainement ce qu'il souhaiterait. Qu'on termine la mission. Mais je peux pas. Prendre une vie est difficile. Mais en laisser une disparaître, alors que je peux l'empêcher, pas question. Je vais peut-être risquer les nôtres pour sauver ce fou furieux. Ouais. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Ce fou furieux, c'est mon père après tout. Il y a un peu de buée sur le pare-brise. Probablement ton père dans les étages supérieurs, comme ils l'ont fait pour toi. Il y a des ascenseurs au bout du hall. Grimpe dedans sans te faire voir. Ennemi numéro 1 qui rentre dans le bâtiment. Ça, forcément. Ça, c'était une mauvaise idée. Pas dire. Tout le monde me regarde en passant à travers les fenêtres. Remettez-moi vos armes et suivez-moi, monsieur. Ça va, je connais le chemin, mais merci, c'est gentil. J'aimerais éviter d'en venir aux mains, monsieur Miles. Alors laissez-moi passer. Maîtrisez le sujet, s'il vous plaît. Je peux pas y taper, ouais. Ah, lui, il est motivé. Hein. Et comme si de rien n'était. Je n'ai rien vu. C'est rien passé. Niveau 4. Ouais, il y a que 6 étages. Ça avait l'air plus grand, tiens. Où est mon père? Vous le verrez très bientôt. Maintenant, soyez un bon garçon et attendez que les gardes viennent vous chercher.
Tu vas devoir faire le reste en grimpant. Sauver un peu plus large, m'aiderait. Pas qu'on voit que dalle, mais. On voit que dalle en fait. Il faut garder un visuel. Il ne doit pas être loin. Où est-ce qu'il est passé? Oui. C'est pas grave, je sais. Du coup, sur les murs. Ah, j'allais dire. C'est la sécurité qui a pas d'arme. Ah ok, bon bah ça va. Sur Ultra Manor et le mec il se croit dans un film aussi. Oui. Oh là là, cette personne avec des couteaux attaque notre entreprise. Rangez votre arme, monsieur, c'est plus Manor de l'attaquer aussi au couteau. La façon dont il tire, quoi. Enculé, va. On voit que c'est pas des agents américains, hein. Des Américains ils ont été. Monsieur, lâchez votre arme! Il a pas lâché son. McDump. Vraiment censé venir ici? Oui. Donne-moi la pomme. Non. Inutile de te planquer. Je suis armé et toi, tu n'as nulle part où aller. En plus. Non, lui, il a un pistolet silencieux. On est au 21e siècle, tu te balades toujours avec un petit couteau pour te défendre. C'est ridicule. Ah là là, tu te Allez, défends avec des couteaux, du coup, je vais rentrer. La partie est finie. Je vais me mettre juste à portée de ton couteau. Pas maintenant! Il reste du travail à faire! Sors de ma tête! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il attend comme ça au bout du couloir. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Avec son pistolet silencieux qui fait des bruits de pistolet laser. Pistolet laser. Pistolet à billes, pardon. Du laser. Salut à la Bastra. Oui, bien sûr. Afin de poursuivre l'étude de vos souvenirs. Mais vous n'en valez plus la peine. Oui, ok. De toute façon, pour laquelle on me tire quand même dessus avec des armes à feu.
Et oui, bonne année à la Basra. Force métal. À chaque fois sur clic droit. Parce que les gens me cassaient les couilles avec l'ancien et qu'il avait 20 ans d'utilisation et que j'avais envie d'en changer. Donc voilà. Plusieurs raisons et. C'était un pseudo un peu daté, on va dire. Ok, cool, on doit aller où? Ok, il est toujours à se balader sur le toit. Je dois lutter. Ah merde. Oui, Vidic. Niveau 5. Oh, moi, je préfère celui-ci. Le bureau de Vidic est droit devant. Et le nombre de fois qu'on me cassait les couilles avec mon pseudo, Ouais, on change. Alors Desmond, c'est quoi le mieux? C'est un pistolet ou bien un putain de couteau qui tire des balles, quoi? Bien l'ancien, hein, y a pas à dire, mais. Aussi vite, Monsieur Miles. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est moi qui décide ici. Ça faisait longtemps que j'utilisais tout le bordel. Vous la voulez? Très bien. La voilà. Mais... non. Il est où? Jamais dû venir ici. Tu as mis notre mission en danger. Et pourquoi? Je tourne la page de mon ancien pseudo. Ouais. Oh, t'as même pas gardé comment. Avec de les parties en couille quand t'es tué. Putain.
Ces gardes de qualité. Attention, il avance vers nous, qu'est-ce qu'on fait? Reste planté là et bouge les bras en l'air. Ouais. Tu devrais brancher cette source d'énergie avant de retourner dans l'animus. Quand tu te sentiras prêt. Celui-là c'est fait, celui-là c'est fait, donc ça doit être celui-là. Jump de l'improbabilité. L'impossibilité tout court en fait. Devant les musiques épiques qui se lancent comme ça pour 5 secondes. La dernière ligne droite. Je le sens. Le cours de la guerre s'inverse. Les loyalistes reculent face à l'armée des patriotes. Et le territoire qu'ils contrôlent diminue de jour en jour. Mais les Templiers ne cessent de se renforcer. Leur nombre a décru, mais la menace qu'ils font peser demeure intacte. Pire encore, Washington a décidé d'épargner la vie de Charles Lee. Depuis que je sais qu'il s'est réfugié à Fort George, je passe mes journées à chercher un moyen d'en franchir les murs. Mon père, lui, a disparu sans laisser de traces. J'en suis heureux. Car si je parviens à éliminer Lee, il restera peut-être une chance de réconciliation. Mon père qui est parti acheter des clopes. Connor, viens, il te demande. Bonjour, Connor. Approche. Ta tristesse ne me soignera pas davantage que les potages et les potions de cette folle. Raconte-moi tes derniers exploits. Charles Lee a été démasqué et les Patriotes l'ont enfin écarté. Il marche sur les dernières villes occupées pour que ce pays connaisse enfin la liberté. Alors tu as gagné. Les terres de ton peuple sont sauvées. Mais tu sembles inquiet. Washington a épargné Lee. Tant que cette vipère vivra,
nous serons en danger. Et il en va de même pour ton père. Quand tu es arrivé ici, tu as compris que cela était nécessaire. Et tu as juré de le faire. Sinon pour la confrérie, du moins pour ton peuple. Et tous ceux que menacent les Templiers. Mais si je tue Lee, mon père pourrait... Écoute-moi bien. Tu n'as pas fait ce chemin pour laisser tes sentiments prendre le dessus. Ils doivent tous mourir. Achille. Je n'ai rien d'autre à te dire, Connor. Connor, j'ai accouru au plus vite. Dites-moi que les nouvelles sont bonnes. Le comte de Grasse a accepté. Il vous suffit de rejoindre l'escadre à Chesapeake Bay et il suivra vos ordres. Mais que comptez-vous faire au juste? Mieux vaut que je vous montre. Charles Lee a enfin été écarté. Mais il reste dangereux. Mais le général... Le général a sous-estimé la menace, et j'ai trop perdu de temps à tenter de le convaincre du contraire. Cette fois, j'agirai seul. Mais pour faire quoi? Tuer Charles Lee. Il se cache à Fort George, qui se trouve lui-même au cœur du district militaire. Il est impossible de s'y infiltrer directement. Alors je vais passer par-dessous. Incroyable! Les tunnels qui mènent au fort ont été comblés. Vous devez les déblayer pendant que je protégerai les vaisseaux de l'amiral. À quoi serviront-ils? À mon signal, ils bombarderont le fort. Afin de créer une brèche ainsi qu'une diversion, je vois. Dans la confusion, je me glisserai dans le fort. Je trouverai Charles Lee et je le ferai taire à jamais. Yep. Ils ont remplacé l'icône du voyage rapide par une icône de mission, du coup je peux pas faire de voyage rapide. Les pirates, ils avaient aussi des coques de bois. Je sais pas si elles tombaient en combat ou quoi. Lafayette me promet une armada légendaire et un commandant sans égal. Et voilà que je suis accueilli par un vieux rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de... Tu veux ma main dans ta gueule? Permettez-moi d'en douter, mais je ne puis faire la fine bouche. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous, si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. Right. Thank you.
Ah, ils vont méga vite. La barre des tours, capitaine, faut-il la réparer? Tu dis ça? Car la barbe de Neptune, à croire que l'enfer a pris la mer. Combien peuvent-ils être? Beaucoup trop. Si un navire marseillois, peut leur tenir tête, c'est la Kila. J'espère que l'amiral reviendra vite. L'ennemi approche! Le capitaine! La gueule. Bah laisse-moi tirer sur l'autre derrière, s'il te plaît. Merci. Magnifique. Les mecs qui tombent. Allez, prépare ton tir. C'est bon, si vous baissez, les boulets ne vous toucheront pas. C'est comme ça que ça marche. Non ? Ouais,
Ah, bah oui. Comme les Russes sur CSGO, c'est ça. Bon, mais ça va, relève-toi, ils ont tiré. Tu vas essayer de nous éprôner, on fait trois fois ta taille. Tiens. Une rencontre. T'as vu mes HP? Pourquoi tirez-vous sur lui? Il est avec nous. Mais il est mort. C'est pour rigoler. Il va tous nous faire tuer. Oui, si. Je veux réduire. Ça, c'est vraiment le pire. Allez, tourne. Tourne. Je veux les voiles à Viva. Faites-vous virer. Prends debout, capitaine. Déployez-vous. Voilà. Baissez la tête, c'est tout. Voilà, très bien. Merci de me tourner. Voilà, voilà, c'est bien. Ouais. Oui. C'est bon, on a fait une égratignure sur la peinture. Il est à nous. Regarde. Hop. T'as vu, je l'ai poussé sur une rambarde et il est mort instantanément. Tac, il est à nous. Hop. Ah merde, ça casse le trip ça. Ah. Alors je l'ai tellement tué qu'il est rentré dans le bateau. Enfin à l'intérieur du truc. Eh hey, mais toi. C'est pas lui mais... Je peux avancer aussi.
viennent à l'infini en fait ou... Donc il y en a bien beaucoup. Allez, au revoir. Badaboum, mais moi j'ai survécu et tout le monde a mouru. Ouais, je t'ai vu, il y en a plus que 50. Non, c'est les alliés. J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Lafayette n'avait donc pas surestimé vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Quels sont-ils ? 5 navires doivent entrer dans le port de New York, sous pavillon anglais. Mais attendez, je pensais qu'il fallait éliminer des pirates ou transporter des marchandises. Mais vous nous demandez, quoi donc ? De bombarder New York ? Non. Bien sûr que non. Ah ! Une partie seulement. Expliquez-vous. Je dois infiltrer Fort George, mais l'endroit est trop bien gardé. Vos boulets de canon briseront ces murs et chasseront ces gardes. Et un navire sous pavillon français ne pourrait en approcher. Vous avez compris ? Pas du tout. Mais une promesse est une promesse, même si elle a été offerte à un démon. J'allumerai un feu pour vous indiquer quand attaquer. Vous avez entendu ? Récupérez leur pavillon que nous les hissions. Allez, vite ! Bonjour Connor, content de te revoir. Tout est bien en place ? Oui, Lafayette t'attend dans le tunnel qui court sous la ville. Pourquoi je vais pas déclencher une émeute ? J'entends des gens. On va revenir aux vieilles méthodes. Cela dépendra grandement de ce. Voilà, il est important. Regardez ce que j'ai pour vous. Voici. Connor. Ce souterrain vous mènera au district militaire. Et l'amiral ? Il attend que vous allumiez le signal. Ensuite, il attaquera. Et nous serons là,
Nous aussi. Et je veux. J'ai ce salon en visée. Fais-le-moi, je peux tirer. Je viens. Ouais. Magnifique. Je dois entrer dans le fort. Je ne suis pas en état de me battre. Je dois rester à l'écart des gardes. Où es-tu, Charles ? Parti. Sérieusement mégalé, Connor. Malgré ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a encore tant à apprendre. Où est Lee ? En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Tu agis comme si tu avais le droit de juger. De décréter que moi et les miens sommes nuisibles. Et pour... Là, il y a un baril, donc je peux me battre contre lui. Non, ça marche pas. Waouh. Nous avons œuvré pour force de l'envoyer contre des barils, il va se faire des échardes, c'est ça? Avec nous. C'est le plan, on est d'accord. Les patriotes ont promis de l'audit. Ugh.
toi, et je te laisserai la vie. De belles paroles, pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas. Même lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde, tel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais. N'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas, je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Ah, c'est con, tiens. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. J'aurais dû te tuer bien plus tôt. Pour un mec qui a une lame qui lui est passée en travers de la gorge, il parle encore assez bien. On a gagné. On a un problème. Etam n'est plus en possession de l'amulette. Pourtant, le temple envoie toujours des données. L'histoire ne s'arrête peut-être pas là. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. En vrai, la traduction était gentille parce qu'il disait espèce d'enculé de fils de pute. Viens, papa. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles Lee. Alors comme il a trempé ses doigts dans un bol de pigments rouges, mais il a quand même deux barres noires et une rouge. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en souvenir d'un visionnaire qui voulait changer le monde, et qui est parvenu. Regardez autour de vous. Les Britanniques s'apprêtent à repartir. Leur esprit brisé. Leur force défaite. Et le gouvernement des Patriotes connaîtra bientôt le même sort. Il nous servira, ou il périra. Et alors, mes amis, ce nouveau pays sera enfin à nous. Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à Fort George. Il pensait que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courait aucun risque. Il se trompait. Je vais te tuer, Connor. J'en fais le serment. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Non. D'abord, je vais détruire ce qui t'est cher. Je vais réduire ton domaine en cendres et jeter les têtes décapitées de tes précieux pères fondateurs dans ces flammes. Et quand j'en aurai fini avec eux, j'incendierai tout le reste.
ta joyeuse bande d'assassins, les misérables qui vivent sur tes terres, ton village et ton peuple, tous disparaîtront. Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Il attendra. Et il observera. Et lorsque j'aurai détruit l'œuvre de toute sa vie, alors je lui donnerai la permission de mourir. Emmenez-le. Tu sembles moins fier. Qui est ce crapaud ? Ah, génial. Annulé, 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 merci, annulé. J'ai fait un pas en arrière, ça a annulé la mission parce que je suis sorti du secteur. Ah, vous êtes marrant, vous. Par contre, ce serait sympa si tu me... Ah, ok. Du coup, les assassinats de soldats, ouais, tu veux double. Il est là-bas. Ouais, ça va. Mais il est dans le groupe ou on doit juste... Bah non, si on se... Ouais, bah non, je sais pas. Imiter les assassinats de soldats. Mais attaque-le, bordel! Ok, il le regarde, il fait tourner son épée, mais il veut pas attaquer ce con. Ça sera qu'il pouvait se passer avec cela. Et là tu veux bien. Mais t'es un connard en fait. Où est parti Charles Lee? Au port. Il doit prendre un bac. Combien pas?
Bien connu que faire du crawl, c'est très discret. Rien vu du tout, hein. Rotchoum, putain. Horrible. Avec ça, c'est que le mec qui m'avait repéré et qui a fait le tour du bateau pour venir me chercher, je sais plus que j'existe. Je pense que ces hommes correspondent à vos critères. Putain. Vous vous trompez, ils sont faibles et souffrants. Nous voulons bâtir une armée, pas un hospice. Il faudrait des mois pour les rendre aptes au combat. Nous n'avons pas le temps. Non, par pitié, nous ferons tout ce que vous voudrez, tout. Ne nous laissez pas moisir ici. Silence, chien. Vos marchandises sont inutilisables. Peut-être que nous devrions en parler dans ma cabine. Discret qui passe... devant la fenêtre. Rien vu. Mais... avoir déçu. Vous pouvez l'être, quand je pense qu'on a fait tout ce chemin pour rien. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous jeter à la mer. Inutile d'en venir là. C'est moins un peu de temps. Je fouillerai les autres bateaux, au besoin. Je suis sûr que certains prisonniers vous seront utiles. Très bien. Vous avez 2 jours. Merci. Présentez-vous à la taverne du Green Dragon à Boston avec vos recrues. Nous vous retrouverons là-bas avec notre maître. Oh. Merci, au revoir. Louf!
faire des voyages rapides d'ici. Parfait. C'est à Boston, ça. Besoin de quelque chose, Trésor? Non. Gouja. Ok. Je peux vous aider? Oui, tu le peux. Pardon? Je n'aime pas perdre mon temps. Arrêtez! Ne m'obligez pas à appeler les gardes! Au moindre cri, je te tue. Qu'est-ce que vous voulez? Il est au port, sur la longue jetée probablement. On a appris ce qui s'était passé au défilé. Charles est devenu nerveux. Il pense quitter le pays. Je trouvais qu'il s'affolait un peu. Apparemment pas. Oh. Merci. On peut dire qu'on va l'égorger. C'est X la vision d'aigle. Ça marche pas. Faire de mapping des touches. Si. Ah, V. Saligo. Blague.
Ah mais il court plus vite que nous en plus. Un deuxième. Métis. Choisis spécifiquement l'endroit où il n'y a pas de flamme. Et c'est un mur pour lui. Bande de salauds à courir comme ça dans les rues. Salut Q-Sone. Qui veulent qu'on passe. S'il veut que je fasse en fait. Ok. C'est pas ça. Ah, je marche sur les flammes. Très bien. Alors ce passage où on te fait recommencer à partir du tout début, t'as aucune indication d'où tu dois passer exactement dans les flammes. Je trouve ça particulièrement fun. C'est par là. Ok. Ah. Ok. Mais... Ah. Quand il veut, il se conduit comme un camion, hein, ce con. C'est un exemple de game design, hein, cette mission, c'est... Le mec passe 50 mètres devant toi, c'est bon, t'as perdu la cible, fin de la mission. T'arrives dans un truc où t'as aucun indicateur d'où tu dois passer. Et l'ennemi, bah, il continue à courir comme un dératé et tu le perds de vue 2 secondes, c'est bon, la mission est terminée. Tu mets un pied sur une flamme, fin de la mission. Lui il court à travers les flammes, y'a pas de problème. Attends, tu vas fermer ta gueule, Gio. Mais des.
Il faut aller, il faut sortir du bateau ou... Ah voilà. Qui donne un coup de coude à 10 km d'où je me trouve et je tombe à terre. Ouais, ok. Bon, on a avancé, je sais plus ou moins où il faut aller. Mais... Ok. Bon, tu descends. Bah putain, c'était pas chiant. Évidemment. Pourquoi t'obstines-tu? Tu nous jettes à terre, nous relevons. Tu ruines un plan, nous en montons un autre. Tu t'acharnes, mais le résultat est le même. Ceux qui te connaissent te prennent pour un fou, au point que... ceux que tu as cherché à sauver te tournent désormais le dos. Pourtant tu te bats, tu résistes. Pourquoi? Personne d'autre ne le fera. Ok. L'autre qui est au-dessus de toi, qui te voit légèrement... largement... Oh non, je n'ai pas vu venir ce tir d'arme à feu! Oh, enculé, va! There it is, you casual. Oh, ça va, il a même recousu et tout le bordel. Plus une goutte de sang.
La nuit a été dure, on dirait. Mais lui a un coup de surin. Il est parti dans les terres, sur un bac remontant la rivière Charles. Il faut que je le suive. Bien sûr. À votre service. Tu pourrais avancer plus lentement aussi, s'il te plaît. Oh mon dieu. Avec qui je vais te frapper? Et salut sinon. Oui, bonne année. Merci toi aussi. J'ai relancé le stream bien 20 fois et... Que dalle. Oui, le 36 du pseudo d'ailleurs c'est parce que... je pouvais pas faire 100, donc Mikey, à l'époque, c'est comme ça qu'on disait bonjour, hein, mettant un coup de couteau dans le bide et... Et voilà. Pourquoi ont-ils laissé ça ici? Ouais, surtout comme ça, en plein milieu du bordel. Attendions depuis longtemps ton retour. Tu as fait ce que nous demandions. Tu as réussi. Non, j'ai échoué. Mon peuple est parti. Chassé par ceux qui étaient censés les protéger. C'est un échange. Un sacrifice. Il n'est pas vain. Car tu l'as trouvé. Ceci ? Tu vas devoir la cacher. Place-la où personne n'ira la chercher, et le moment venu. Plus tard, pardon. Ce qui fut, sera. De nouveau. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ton rôle, car tu dois nous obéir. Ensuite, tu pourras vivre ta vie.
adviendra-t-il de mon peuple? Tu as sauvé cet endroit. C'était la finalité de ton peuple. Et c'est tout ce qui compte. Ça ne suffit pas! Ça ne suffira jamais. Tu recherches une chose qui n'existe pas. Mais tu as joué un rôle décisif. Et tu le feras à nouveau. Mais tu dis ça tout, Mister X. Rappelle-toi, tu dois cacher l'amulette là où personne ne la trouvera. Pratique. Deviens une mule. Ah merde, y'a pas encore d'aéroport, effet. Personne ne la trouvera. J'ai fait un trou dans le jardin. À 55. Pas vieux, hein. Oh mon vieux, j'ai fait un trou là où il y avait ta femme et ton gosse, ça te dérange pas, hein. Là, je mourir. Sur le cercueil de son gosse. Je sais où est la clé. Alors allons-y. Ouais, elle est quelque part par là enterrée, il y a. Oh bah ça va, elle a bien tenu quand même la tombe. Et à 300 ans le truc, parfait état. Avec des vrais morceaux d'enfants dessus. Je crois que ça y est. On est tous avec toi. Let's go, Lyoson. Plus une gaffe près. On est marre. Ah oui, on passe à travers les rochers. Très bien. Je peux plus mourir, les gars! Je sais, mais à chaque fois je me réveille ici. Regarde! Tuez-moi! L'instant de vérité. Non, en général, les colliers, ça s'enlève par au-dessus de la tête, hein.
Sans parler du cordon qui a quand même tenu 200 ans enterré dans la terre, enfin 250. Contrôle de ton corps. Enfin, tu connais désormais notre histoire, nos tentatives et nos échecs, tous nos espoirs évanouis. Sauf un. C'était pas plus simple de directement ouvrir la porte? Une étincelle qui doit sauver le monde. Attends. Ne touche pas à ce piédestal. Minerve. Toi? Mais comment? Tu es parti. Tu as détruit l'appareil. Tu croyais qu'il n'y en avait qu'un. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est à lui que tu demandes, mais il dit... La libérer? C'est des sortes d'IA... Attendant qu'on la libère. Enfin, le souvenir, quelque chose... Pendant que nous tentions de sauver... Ils interagissent directement, quoi, avec les personnages. C'est pas juste un enregistrement débile. Elle a utilisé nos machines pour servir ses projets. La divination par les nombres. L'existence répond à un schéma. Comprendre les calculs revient à maîtriser le temps. C'était mon projet. Et j'ai fabriqué l'œil pour nous y aider. Mais elle l'a perverti pour obéir à ses desseins. Quand sa traîtrise nous est apparue, nous y avons mis fin. C'est déconstruit. Et nous sommes partis. Mais pas avant de t'appeler, pour que tu essayes à ton tour. Sans elle, nous pensions le danger écarté. Je vois que nous avons été dupés. Elle a survécu, elle a perduré, et elle s'est mise au travail. Pendant des siècles, Tinia et moi avons arpenté le monde afin de rallumer le feu de la civilisation, pour partager notre savoir le mieux possible. Nous n'avons pas été les seuls, mais malgré tout notre pouvoir, la mort a eu raison. Ah mais du coup, il y a X millions d'années, ils sont en train de se taper sur la gueule en prévision de ce que le mec va dire. J'espérais que tu trouverais ce temple et achèverais notre... Mais il est trop tard. Les Templiers et les Assassins se sont disputés nos déchets. Vous avez perdu des siècles. De déchets. Vous avez laissé passer votre chance. Tu ne peux plus empêcher la fin de ce monde. Seulement y survivre. Elle ment. Il te suffit de toucher le socle et le monde sera sauvé. Mieux vaut brûler le monde que l'offrir en pâture à Junon. Ah oui, vraiment. Montre-lui alors. Mais il ne comprendra pas. C'est compliqué, c'est... Montre-moi. Si tu obéis à Minerve, le soleil frappera la terre. Le sol se fendra pour cracher du feu dans le ciel. Et la terre se consumera. Ce ne sera pas la fin du monde, mais le début de sa déchéance. Les ténèbres suivront. Et tu sortiras, résolu à poser les fondations qui éviteront qu'une telle tragédie frappe de nouveau notre terre. Tu deviendras un symbole pour les survivants. Espoir, savoir, détermination. Tu les inciteras à rebâtir, à prospérer de nouveau. Et à mesure que le monde guérira, l'humanité progressera. Mais tu n'es qu'un homme, fragile et mortel. Tu quitteras le monde et n'y laisseras qu'un simple souvenir. Un héritage. On se souviendra de toi comme d'un héros. Puis tu seras une légende. Et bien plus tard, un dieu. C'est le sort le plus cruel. Avoir écrit des mots pleins de bonté. Et les voir manipulés et pervertis. Ce qui cherchait à encourager la vie devient soudain un prétexte pour l'ôter. Et tu découvres aujourd'hui que votre histoire se répète sans fin. Alors dis-moi, est-ce bien ce que tu veux? Elle te sacrifierait. Elle sacrifierait le monde. Dans le seul but de me priver de ma vengeance.
Ils vont asservir les tiens, Desmond. N'est-ce pas pour cela que tu te bats? Pour cela que tu es venu ici? Pour davantage que la simple survie de ton espèce, mais pour sa liberté? Quel avenir? Quelle liberté? Des milliards de morts... Ça va, après, on va faire les quêtes annexes qu'il me reste à faire et les fins de Cyberpunk. Ce monde est notre cadeau, et tu voudrais le leur reprendre. Assez! Tu ne dois pas faire ça. Quoi que je fais ce que je veux. Aussi terrible que cela puisse paraître, nous trouverons comment l'empêcher. L'autre solution, la tienne, nous prive de tout espoir. Si tu la libères, tu seras détruit. Ça ne prendra qu'un instant. Tu ne souffriras pas. Ne fais pas ça. C'est fait, Minerve. La décision est prise. Alors, c'est avec les conséquences de ton erreur que tu devras vivre et mourir. Allez-vous-en. Partez tous, maintenant. Éloignez-vous d'ici le plus possible. Viens avec nous. On trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps. Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé. Je dois le faire, maintenant. Partez. Allez! Dites pas mettre la main sur l'attaque. C'est une espèce d'aurore boréale planétaire. Personne n'a jamais vu un tel spectacle. Témoins ont décrit des tempêtes électriques et des phénomènes météorologiques aléatoires. Habitant de rester à l'intérieur et d'attendre. Les relevés géologiques indiquent une activité sismique sur l'ensemble de la ceinture de feu. Le nord-est du Canada. Ouais. Satellites et transformateurs tombent en panne alors que l'éruption gagne en intensité. Des coupures électriques dans le monde entier semblent s'estomper. On rapporte une activité sismique et volcanique résiduelle. Mais rien de comparable au paroxysme. Il faudra du temps pour que les experts évaluent l'ensemble des dégâts causés par la catastrophe d'aujourd'hui. Mais il semble que le pire... soit derrière nous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Ben ouais, moi je croyais qu'en fait... C'est terminé. Il serait toujours là. Le monde est sauvé. Tu as fait tourner ton rôle, Desmond. Et maintenant... c'est à moi de jouer le mien. Mais... mais ouais, donc du coup, en fait, dans les suivants, qu'est-ce que... Y a plus d'animus, y a plus rien, en fait. Parce qu'il y a au moins des séquences avec le présent. Ah, ok. Ouais, parce que bon, c'est... genre ici, ils te mettent le tapis rouge pour la suite avec nous allons contrôler l'humanité. et au final, on te remet toujours dans le passé avec des trucs qui ont rien à voir, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, par rapport au scénario du présent, quoi. Ah ok, n'importe qui peut le faire avec tant que t'as de l'ADN de... ok. Ah, je peux même pas skip. Nice. Bon ben, gestionnaire de tâches, merci. Hop, au revoir. Bon ben là-dessus. Ce stam. Il
New Cyberpunk. 10 minutes dans 60 heures de jeu, nice. Trouve le mail de Jean-Michel en jouant à Frog pour pirater son PC. Nice. Ouais, je vais juste relancer le stream. Ah tiens, on voit le... Amki. Donc ouais, comme je disais, je vais juste relancer le stream histoire d'avoir une partie avec Assassin's Creed, une partie avec Cyberpunk. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de quêtes annexes que j'avais pas fait parce qu'il fallait contacter les donneurs de mission via le téléphone. Donc ouais, j'ai quelques quêtes en fait qui attendent parce que je les ai juste pas lancées. Ah mais j'en doute pas, hein, mais c'est juste que ça me fait marrer la façon dont c'est dit. Bon, là-dessus, ouais, donc je disais, je vais juste relancer le stream. Je vais aller pisser. Et on reprend donc les deux fins que je n'ai pas fait sur Cyberpunk. Ah, deux ou trois, enfin. Bref, celle qui reste. Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi. Après les quêtes annexes. Dans notre cité des rats. Après, il y a peut-être beaucoup de quêtes annexes, donc qui sait, peut-être que je finirai pas spécialement aujourd'hui. Ça devrait être bon, voilà. Hop. Donc, je reviens dans deux minutes.